Olivier, je suis à Kouéda. Aujourd'hui, je viens d'avoir fauteuil roulant au grand remerciement de fauteuil M. Katakou. Donc, je remercie le frère Katakou pour ce merveilleux qu'il fait pour les personnes handicapées. Donc, on prie à tous les bonnes volontés qui pensent toujours avoir de bonnes volontés pour faire de bonnes choses aux handicapés, pour que tous ceux qui restent, qui n'ont pas encore trouvé un moyen de déplacement, qu'ils puissent passer à eux. Aujourd'hui, j'ai eu ma part. Je prierai que tout le monde passe à nous, les hommes handicapés. Merci. Non seulement de penser aux fauteuils roulants là, de penser à des fauteuils roulants plus spécialisés que ça, et aussi à des moyens, à des fonds de financement pour des activités génératrices de revenus. On est des personnes en situation d'handicap, certes, mais on n'a pas souhaité qu'on soit des personnes en situation d'handicap. Et cette situation exige de la part des uns des autres un peu de soutien. Et si nous sommes déplacés de Lomé pour venir à Kemeridia, c'est pour témoigner notre affection, notre amour, notre soutien au frère qui est ici. Et je vois que le frère qui est ici, si on lui apporte un peu de soutien. Malgré ma situation d'handicap là, j'ai pu apprendre un métier. C'est le cordonnier. Je suis cordonnier. Actuellement, je fais un peu pour pouvoir souvenir à mes besoins. Mais il y a toujours le manque. Je prie à tout bonne volonté qui peut m'aider à pouvoir développer mon activité. Par exemple, actuellement, je suis ici, j'ai un manque de dynamo qui lime les chaussures. Tout de suite, quelqu'un vient pour commander les chaussures dans 5 minutes. Il a déjà ses chaussures. Mais actuellement, c'est avec un sample pas que je prends, c'est à main levée. Ça prend le temps. Donc, si quelqu'un a les moyens, je prie beaucoup pour qu'il vienne à mon aide. Merci. Donc, je prie à tout bon volonté de venir à mon aide pour pouvoir développer mon activité. Actuellement, je suis sur place, mais je dois manger et s'occuper de certains besoins. Donc, il y a beaucoup de besoins qui sont à ma disposition. Acheter les matériels, ça coûte. Ce n'est pas les moyens. Donc, je fais ça un peu pour pouvoir manger le matin. Mais je prie à tout bon volonté de venir à mon aide pour que je puisse développer et être libre indépendamment pour pouvoir suivre comme les autres. Merci. Olivier vient de nous dire qu'il est cordonnier, qu'il a appris malgré sa situation, il a appris le métier de cordonnier. Et il essaie de s'exercer, mais il manque de moyens pour acheter certains matériels pour pouvoir livrer rapidement les chaussures aux clients ou acheter des matériels pour fabriquer des chaussures. Et c'est pour ça que je profite de cette occasion pour lancer un appel à toute bonne volonté, association ou gouvernement de venir en aide à notre frère, de lui donner un peu de moyens financiers puisqu'il peut ouvrir un atelier ici. Et les chaussures là qu'il fabrique, comme moi j'ai vu ça, j'imagine s'il y a un atelier où il fabrique ça, ils exposent ça, ça peut lui donner un peu de moyens financiers, ça peut lui permettre de se réaliser et il va plus penser qu'il est une personne à cette handicap, il va être libre, il va être joyeux. Donc nous sommes, je vous interpelle, nous tous, si nous mobilisons un petit moyen, 1 000 francs, 1 000 francs, 100 francs, 100 francs, je pense que nous pouvons l'aider à ouvrir un atelier digne de soi. Missionnaire, bienvenue dans le milieu. Je me promène et je l'ai retrouvé handicapé vraiment. Donc, je plains vraiment son sort. Je lui disais toujours si on peut trouver un moyen pour l'aider. Et effectivement, la fois dernière, il m'a dit qu'il y a les frères qui vont venir le visiter. Donc, je suis venu retrouver les frères qui vraiment sont venus dans l'impôt à cause de lui. Si vraiment on peut trouver un moyen, les volontaires, pour l'aider, comment je vois ici son déplacement, ça laisse à désirer. Donc moi aussi, comme je dirais que je suis son papa spirituel, j'aimerais à ce que quelqu'un vienne à son secours. C'est vraiment très nécessaire. Merci.